Allons maintenant vers Bogusław Szafer. Bogusław Szafer, c'est un compositeur qui est né à Lwów. Lwów, c'était une grande ville polonaise avant la Deuxième Guerre mondiale, après Varsovie, deuxième capitale culturelle en Pologne. Il est né là-bas, donc en 1929. Mais c'était un artiste, c'est un vrai volcan d'invention. Donc lui, il écrit des drames, il fait des arts plastiques, il fait de graphiques, il compose la musique. C'est un avant-gardiste qui s'approche vers performance plutôt, théâtre musical. Mais il compose aussi d'autres pièces, donc il m'a composé, il m'a dédié de concertos que j'ai créé, et maintenant nous allons vous montrer enregistrement. Ça n'existe pas dans les marchés, c'est juste seulement chez moi. Je n'ai fait sortir des disques, je n'ai pas pensé beaucoup à ça. Ce sont des archives. C'était la première pendant les festivals qu'on a fait en 1995. Donc c'est enregistrement live. Du concerto. Et donc, premier concerto, c'est en cinq parties et ça dure presque 1 heure. C'est assez long. Il y a cinq cadences, c'est une grande cadence, parce que je lui ai dit, OK, il s'agit d'un concerto très virtuose. Nous nous sommes rencontrés aussi souvent. Là, j'ai préparé toute la partie sonoristique pour ça, parce qu'il m'a demandé de trouver de nouveaux sons, de nouvelles possibilités sur instrument. J'essaie, je fais différentes choses. Et là, il a mis dans la partition tout ce que je lui ai montré, donc tout ce que j'ai noté. Et voici un petit exemple. C'est un peu l'atmosphère de Lwów avant la Deuxième Guerre mondiale par lui. Un tout petit peu ça. Thank you.
Donc c'était assez long comme une œuvre, une heure de création comme ça. Ça pose déjà, ça demande beaucoup d'énergie, de mon concentration pendant le concert. Parce qu'il y avait cinq mouvements, comme je vous ai dit, quatre cadences comme ça. Il y a encore une autre composition. C'est le compositeur lui-même qui a préparé les partitions. Toutes les partitions qui ont été préparées par lui. Donc ça, c'est comme ça. C'est le 12e morceau, quoi. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de choses qu'il faut bien réaliser comme ça. Et donc, c'est un autre style, si vous voulez, parce que en comparaison contre Lutosławski, qui a bien écrit chaque note, toute l'articulation. Donc, Schaeffer, il a une autre philosophie. Il dit que lui, il compose, il essaie de composer comme dans la nature. Jamais il ne va pas répéter la même chose, dans la même manière, toujours. On est en train de mouvements.